Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Si on monde de faire développement, nous voyons comment qui mécanisme pour nous procéder. Donc moins de 3 mois, nous voyons centrale là presque fin construit. Et c'est 16 janvier qui appelle 3 mois. Et presque travaux et génie civil presque fini. Et électromécanique va finir tout à l'heure. Pour tout réseau a commencé à placer pour tout. Donc c'est ça. Que les grandes vitesses sont. Donc, c'est ça, le travail tout en équipe. C'est la présidence et le ministère des Travaux publics, EDH et le ministère des Finances, tout le monde, PM, notre primature, tout. Là, nous tous gonflés pour être non. Non, bah, mécanisme comment travail fait en équipe et où est-ce qu'il s'est produit. Et moi-même, ça a étonné le monde. La Chine, ils font gros l'hôpital dans moins de 3 mois. Suite avec le coronavirus, Haïti a fait gros bagay tout. Seulement, il faut nous gagner l'argent. Et depuis nous gagner l'argent, nous avons fait merveille. Et nous avons besoin d'entente, d'unité entre nous-mêmes. Donc, c'est comme ça. Nous avons fini presque avant 16 janvier, nous avons presque fini les travaux de génie civil. Et parallèlement, les travaux électromécaniques ont avancé. Donc, samedi, nous avons fini encore, nous avons fait l'autre merveille. Donc, nous-mêmes, président m'a dit non ça. Chaque semaine, nous venons venir ici pour nous voir comment et travailler dans le boulevard et Trois-Rivières là pour avancer, route RN5 là pour avancer, Carrefour-Joffre et Port-des-Pères, et comment le carnaval le 14 février, comment l'a bien organisé ici. Hein. Donc, nous avons mis les populations au courant comment nous avons avancé. Donc, nous montrons qui ça nous a fait, nous, équipe ça. C'est ça. Ok, bon, bien entendu, nous ne pouvons pas dire combien pour tout, mais nous avons dit combien de kilomètres ligne nous avons pour nous construire. Et nous déjà parti sur presque 1 km. Nous avons environ 7 km ligne pour nous construire des centrales, des nouvelles centrales ça, à l'ancienne centrale qui est Port de Paix. Et nous avons pour nous construire. C'est environ 7 km. Et pour tout, il y a placé à 45 mètres
l'une de l'autre. Des distances. Oui, moteur là, il y a 4 groupes qui sont déjà disponibles là depuis 6 décembre. Ils ont installé un bâtiment central. Bon, courant, moi je ne suis pas spécialiste en électromécanique. Je suis ingénieur civil, c'est chef d'études et construction EDH. C'est nous qui avons plus de travail dans la construction du bâtiment. Ça, on va regarder là. Pratiquement, on a observé les et le ministre a fait remarque là pour nous. Donc, nous avons avancé à grande vitesse et que d'ici 16 janvier, si Dieu veut, nous comptons finir avec tous les travaux d'agréage, de ragréage à l'intérieur du bâtiment et pour nous passer la partie extérieure. En façon pour nous faciliter les gens qui viennent faire appareillage, qui viennent faire câblage et placement et les tableaux de commande et que nous avons dedans libre pour le travail d'ici 16 janvier. Beaucoup plus rapide et il y a une autre programmation, un autre programme de travail qui permet lui, avant 7 février, de grand temps fini, pour que le carnaval du 14 février, pour que fini, le monde soit capable de circuler normalement. Donc nous allons regarder avec lui les problèmes de drainage. Et nous, ouais, pendant 2 jours là, dans deux jours, il est capable de finir résoudre. Mais il y a une correction pour le porter, radio pour le traiter parce que et pas de pépin ou ville même à toute ville. Sol, qualité sol ou gagnant n'est pas même gens. Son sol totalement marquagé, son bail des autres net, la boue. Donc lui-même, forme de féliciter Angelo pour dynamique, courage et intelligence. Et travail a avancé. Il parle de Mounio, bail Mounio garanti avant 14 ans directement. Tout travail a fini. Parce que la ville va charger à monde pour la première fois pour que tout le monde soit dans le port de paix. Et pour la première fois, tout le monde port de paix a sorti de tous côtés pour venir à la ville. Pour commencer à voir l'autre ville et on l'autre ville qui va en l'autre environnement, en l'autre aspect, en l'autre façon de vivre. Un gros chantier quoi. Un gros chantier, très gros chantier, pas oublié. Et le gouvernement et depuis le paraît, et depuis un an là, c'est des gros chantiers qu'il a fait. Donc sur la centrale là, ouais, rapidement moins de 3 mois qui ça te fait. Vous venez dans RN5, c'est-à-dire route nationale numéro 5, qui sort du Cap-Rouge, Port-de-Paix en sa couleur, où est la quantité de travail qui est pour faire. Bon, comme vous avez constaté, l'humain du feu à plusieurs côtés, un pile de travail à faire sur tous les côtés. Oui, je pense que à vitesse nous prenons là, c'est de nous parler parce que suite à hier à jeudi, pendant que le ministre s'en vient là, il y a l'autre délégation qui est venue, bon, pas qu'être verrou. Qui était bloqué, qui était empêché d'avancer. Verrou ça a sauté et puis toute équipe l'a mobilisé, je pense qu'on n'a pas avancé. Pour que d'ici fin janvier, et nous finissons toutes grosses œuvres pour qu'à partir du 1er février, c'est la finition dans les détails pour nous. Bon, on va constater son sol très marécageux, cette visite là, en pile la boue, en pile bleu, mais on a bataille avec elle, nous pas arrêté, on sent à peine nous était 100 mètres. Pas oublier que le boulevard fait 1300 mètres. Nous finissons une bataille avec à peu près 1100 mètres, 1150 mètres. Nous étions à peine 150 mètres. C'est le combat final. Et pratiquement, c'est un triste souvenir, un problème que le dégain.
important pour nous faire visite autorité très souvent dans le département nord-ouest, là, puisque le nord-ouest en général et la ville de Port-de-Paix en particulier en chantier. C'est des chantiers de cap fait pour permettre non seulement le carnaval à la fête et puis pour l'infrastructure pour la ville de Port-de-Paix. C'est une ville qui est construite par soi, qui est toujours inondée. Et à chaque frontière qui est tombée, la ville de Port-de-Paix en entier est inondée. Cependant, avec les travaux de drainage qui ont fait, il y a une solution. Et nous espérons que, même après le carnaval, le ministre a dit que nous toujours venir pour Port-de-Paix parce que nous avons besoin pour nous bétonner toute ville, nous avons besoin pour nous drainer toute ville, pour que le nord-ouest, le Port-de-Paix sorti dans sa lieu là. L'important pour en fait monde port de pernis qui vit port de pernis c'est qui est à l'étranger pour nous profiter de le carnaval ça qu'a fait la caille nous pas de penser si nous avons le carnaval nous pas jambe ça en tête nous mais avec le président Jovenel Moïse nous avons le carnaval et nous avons profité de lui-même pour nous dire non seulement merci et l'on doit se faire de lui-même et nous avons dit moun yo faut que nous collaborer faut que nous prise de conscience citoyenne. Il faut que tout citoyen qui porte de paix connaisse que ça qu'a fait là, c'est pour nous la fête. C'est pour nous la fête parce que nous n'avons pas de guerre que nous avons gagné. Par exemple, comme Magistrat so dit là, nous avons gagné trois sous-commissariats, nous avons gagné des pompiers qui ont vu pour la mairie de Porte de Paix. Nous avons gagné l'autre ambulance qui a fini Porte de Paix. Nous avons un hôtel qui peut finir, qui a fini. La ville a bétonné, nous avons bétonné trois cas côté dans la ville. Ça a prêté pour Porte de Paix. Il faut nous voir des signaux positifs pour nous-mêmes, nous Porte de Paix, nous entendre, nous, pour nous joindre, ça nous mérite et ça nous a besoin. Nous, dans le département nord-ouest, pendant que fait interview, on m'a tout profité du président merci parce que il a une bonne obligation là que dans le mois de la carnaval, c'est pour des paix la fin de fête. On ne peut pas jamais espérer dans le port de paix. Parce que nous avons des problèmes route actuellement là, Jean Yéa, si on a fait hôtel, ou après son lot de bagaille, il y a un travail qui commence. Nous félicitons le président, nous disons que nous avons des paix ensemble avec. Et même si tout le département a campé pour contre carré dit mon pas grand monde pas de paix qui a campé contre lui parce que nous commencer ouais ville l'a changer visage depuis un mois janvier imagine le mes travail là qui presque cap bouclé un an oui côté responsable monde qui travaille au bon côté soi-disant ingénieur yo comme si qu'importe ça qui n'avait d'où c'est échec débloqué monde pas qu'à toucher monde pas qu'à ceci monde pas qu'à c'est la menti travail yo pas voulu travail m'gain impression c'est boycotter au voulu boycotter pouvoir yo qu'a dit pouvoir pas faire rien nous même monde pas de paix nous connaît qui président nous gain avec nous Jovenel Moïse c'est président nous il sorti pas de paix il pas jamais faire nous mal et nous comptons sur lui et nous connaît la faire plus toujours pour nord-ouest. Et nous actuellement port de paix côté nous-mêmes nous travaillons au niveau la mairie comme maire principal ville là nom c'est Josué Alusma et président association des maires du nord-ouest et présence ministre travaux publics là et c'est un gros push lié pour nous mais la question que vous posez de travail qu'a fait au niveau infrastructure dans ville port de paix c'est pas carnaval là qui permet de travailler ça, yo, de commencer fête. Le président Jovenel te prend une initiative pour que le port de paix, c'est une côté de l'eau tombé. Et avant même que le président, la ville ça a toujours inondé. Très facile. Et il te prend toute disposition pour que lui virer la collectivité vers le nord-ouest. Entre-temps, et travaux publics, tu as commencé le travail au niveau. Route qui nous relève N5 au niveau Kafoujof et pour arriver en Safoleur. Eh bien, après déclaration du président de la République, 6 décembre, et que c'était étonnant pour quelqu'un que le carnaval national l'a fait port de paix. Mais nous-mêmes, autorités locales, nous avons toujours pensé et travaillé pour nous changer. Les ont dit de port de paix, côté que port de paix reculé, c'est une zone qui reculait, mais le président, je vous dis, il mettait aux yeux du monde, tout le monde a parlé de port de paix, je vous dis. Et dans le niveau infrastructure, dans le niveau canalisation, dans le niveau route qui pour bétonner en dans la ville, comme je dis déjà, c'est pas pour carnaval là, mais avec carnaval là, il y a des mises en place qu'a fait pour que le travail ça même aller plus vite. We'll be right back.
Mais il y a un bail qui est important pour nous aujourd'hui là. On est depuis quelques temps là, le président déclaré carnaval la fête pour des paix et livrer route dans carrossable. C'est-à-dire impression mon son route qui fini. Il est capable faire et Carrefour Joffre pour des paix, une heure dans 20 minutes. Pour nous on fait là une heure et demie. Mais n'a pas évité trop et vitesse pour nous capable atteindre pour des paix tranquillement. Donc nous venons là avec le directeur départemental là. Pour nous voir qui avance mon travail, moi j'ai avancé très très bien, sauf ouvrage. Et moi demandé pour le concentrer dans l'ouvrage. Les gens qui n'ont pas fait l'ouvrage, qui ont un contrat, soit qu'ils ont résilié le contrat et puis nous fait en régie. Et déjà, moi j'ai une équipe sortie dans le ministère des Travaux publics, notamment dans le service d'entretien, qui porter appui dans la direction départementale Nord-Ouest et la direction départementale Latibonite, pour nous voir comment route ça capable de livrer et rendre carrossable pour la période carnaval. Donc, on va regarder tout dans le port de paix côté et circuit carnaval, là, c'est-à-dire boulevard Trois-Rivières. Là, est-ce qu'il est presque fini pour nous tranquille parce que carnaval, là, c'est presque un mois. Et nous décider pour le bien passer. Et toute bagaille, la paix, ça, nous voulons le bien passer. Donc, nous, on va commencer et déclencher vite ici parce qu'il est un peu lent pour nous en demander l'autre. Horaire de travail, de deux chiffres, et puis on chronogramme de travail. Tout. Avec ça, on a suivi. Et nous-mêmes, le président de Mandel, forme ici chaque semaine. Et samedi, suivant, et pas samedi demain, l'autre samedi ou vendredi, l'autre vendredi, je suis ici encore. Pour moi, qui progrès qui va être dans l'ouvrage, dans la traversée, et puis pour nous, qui durée de temps dans un mois et sept jours. Et qu'après, jeudi à sept, un mois sept jours. Qui était pour nous gâter, pour les gens qui passaient dans la route là, pour le sentir à l'aise, et pour les gens pour des paix, commencer fier. Ils ont déjà commencé fier de route là, mais pour eux, ouais, vraiment, c'est pour question de tabac menti, c'est une question de et barrières, ils ont pas bien interprété l'ensemble des barrières qui devant dirigeants. Là, ils font promesse qu'ils ne font pas qu'à respecter, et barrières ont sorti de tous côtés. Ils sortent en dans pays comme ils sortent de hors pays. Mais nous avons pour nous sauter toutes barrières, ça. Pour notre population, ça alimente, dénonce ça, président et promettre dans la campagne et pendant le président, les promettre et nous voulons dans 11 mois ou 12 mois qui étaient là pour nous faire l'ensemble des bagages pour nous faire dans le pays. On constate que c'est un chantier de cadre qui n'est pas fermé. Et après avant deux temps, nous avons un groupe qui prend de 7 heures du matin qui va pour 5 heures et 5 heures, nous avons qui prend pour 1 heure, 2 heures du matin. Et nous avons remarqué que nous avons dit que nous avons dormi et nous avons fait le constat. Normalement, nous avons 44 km qui sont dans l'espace PAM. Et nous avons 21 km qui sont déjà asphaltés. Et sans compter ça qui fait préparation pour un matériau sélectionné là, dans le moment. Et j'aime des gars là. Et nous avons fait tout ça dépend de nous pour nous rendre route accessible pour le carnaval. Bon, en termes d'ouvrage, d'ailleurs, il y a un pile d'ouvrage. La route là, parce que pas oublié qu'ils sont en pile d'eau. Et nous connaissons sans drainage, pas de route, nous sommes obligés. Tenu compte de drainage et n'a fait ouvrage du côté du bassin bleu, n'a fait ouvrage du côté de Marose pour nous arriver. Il faut que nous canalisions de l'eau justement pour route là qui a conduit des vies. Normalement, pas oublier route ça, son route qui était construite déjà dans le temps, mais qui devient un problème. Et c'est qu'après étude, on a fait, décidé pour faire déviation, ça a côté nous sommes passés là. Et grand pile monde qui beaucoup connaît parce que nous beaucoup bail livré accessible à tout le monde. Mais dans le jour qu'a venu là, n'a plus de métaspa tout et n'a pas accessible. Et nous avons une route qui a fait job pour nous. Normalement, nous satisfaits de techniciens nous et qui travaillent jour et nuit, justement pour faire rêve, ça a devenu réalité. Normalement, dans 44 km, pas oublier que l'on prend des bassins bleus avec la cul, c'est 15 km. Et de la cul à Gaumont, nous avons 5 km. Et de Gaumont à Gonaïve, nous avons 24 km. Qui va nous en tout 44 km et nous travaillons sur tout le 4 sur tout net en seul coup là.
qui gagne gravel temps et c'est là gagne en Roberto et usine cap et produit en Robert pour nous et dernièrement pas de cap produit quantité en Robert, c'est-à-dire ça mon relé asphalte dans la rue, mais son matériau relé en Robert composition faite avec asphalte. Et le fait que 0600, ça a les sablants et matériaux qui sont plus fins, il n'y a pas de café en quantité. Je dis, peut-être, je vais quitter au divin pour expliquer l'ensemble des mécanismes qui ont été mis en branle pour réparer le matériel. Je dis, nous avons en quantité. Et pas oublier, nous avons un peu de monde qui travaille sur AXA. Il y a au divin qui travaille dans la zone de la Tibonite, il y a un Tidoc qui travaille dans la zone de la Tibonite tout, et bientôt dans le nord-ouest en tout. Gagné Angelo qui travaille dans le port de paix et dans la route partie pour le nord-ouest. Et ici, en tout, le premier matériau, le voyage Saint-Marc, tout, demain, le voyage des trois camions et 0315 Saint-Marc et Saint-Marc a bien pris au Bela pour le mettre bon et banque et BNC. Je n'ai pas gardé la croix, nous avons la croix bourrée avec le matériau. Et les techniciens nous travaillent jour et nuit, on va jamais prendre repos d'une façon pour nous capables. Pour qu'on ait nos sanoues là. Et je toujours dit là, c'est cuisine. Et c'est là qui produit tout matériau qui pour faire enrobé, tout matériau sélectionné 35 qui pour le mettre sous terrassement. Et je dis, après le gravel là, on t'y a campé là, nous avons un petit problème technique à résoudre là. Ça va dans moins de 30 minutes. Tout le monde 30 minutes qui pour aller et pour gravel là, rebalancer. Il faut que je dise tout gravel ça aussi, il ne peut jamais camper tout. Il travaille en deux temps. Et nous avons un groupe technicien qui prend de 7 heures. Qui baille dans 4h30, 5h, des 5h qu'on a technicien qui prend jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est que juste, nous connaissons pression déjà et nous connaissons ça nous gagne sous tête nous comme charge sur tout ça. C'est ça qui fait nous pas jamais camper pour nous bailler résultat que le peuple a obtenu. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable de nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.